qui n'est plus sur les parallélogrammes en général, mais sur les parallélogrammes particuliers. Losange, rectangle et carré. Donc là, on a quatre affirmations, on va dire si elles sont vraies ou fausses. Le quadrilatère QUID, QUID ci-dessous, est un rectangle. Il faut voir si c'est un rectangle ou pas. Si on regarde les diagonales, là, tout ce qu'on a comme information, c'est les diagonales. Regardons bien. Cette partie, elle fait 2,5, et cette partie, elle fait 2,4. Et cette partie 2,5, et cette partie 2,4. On a bien que les diagonales sont de la même longueur. Les deux diagonales font 4,9. Mais elles ne se coupent pas en leur milieu. Donc le quadrilatère, ci-dessous, est un rectangle. Faux! Faux, car les diagonales ne se coupent pas en leur milieu. Deuxième question. Si ABCD est un rectangle, alors ses diagonales ont la même longueur. Ça, bien sûr, c'est vrai. C'est une propriété des rectangles. Un rectangle a les diagonales de même longueur. Vrai. C. Si EFGH est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires. Ça, oui, on l'a vu dans la propriété des losanges. Leurs diagonales sont perpendiculaires, mais les diagonales d'un losange n'ont pas toujours la même longueur. Quand les diagonales d'un losange ont la même longueur, ça devient un carré. Donc ici, si EFGH est un losange, oui, ses diagonales sont perpendiculaires, mais non, elles n'ont pas forcément la même longueur. Donc là, c'est faux. Dernière, la D. Si IJKL est un carré de centre O, alors les triangles OIJ, OJK, OKL et OLI sont isocèles rectangles en haut. Alors on va voir ça. Si je vous trace un carré, bon, c'est à peu près un carré, et qu'on cherche le centre du carré, on doit tracer les deux diagonales. Ici, c'est le centre du carré, O. Donc le carré, c'est I, J, K et L. Puisque c'est un carré, ben, les diagonales sont perpendiculaires, les diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Et les quatre côtés sont de même longueur. Alors regardons bien ces figures. Donc, les triangles OIJ, OIJ ou OJK ou OKL ou OLI, si on les regarde bien, ben, puisque les diagonales sont perpendiculaires, c'est tous des triangles rectangles et ils ont tous. Deux de leur côté, c'est toujours des demi-diagonales. Donc à chaque fois, c'est aussi des triangles isocèles. Par exemple, celui-là, ses deux côtés sont égaux. Celui-là, ses deux côtés sont égaux. À chaque fois, on a deux côtés égaux. Donc c'est bien des triangles qui sont isocèles et rectangles en haut. Donc, la dernière question, la D, c'est vrai. Excusez-moi, je crie ici, il n'y a plus d'électricité en fait, donc je vais devoir arrêter la vidéo, mais c'était la dernière question et c'est vrai.